viens d'arriver à Amsterdam. Iconic. Salut. Aujourd'hui je suis au ski à Saint-François-Longchamp. Donc voilà, je suis avec Roman et sa famille et il fait trop beau et aujourd'hui on va aller skier. Donc je vous emmène avec moi parce qu'évidemment je suis une grande skieuse professionnelle, donc je voulais vous montrer tout ça quoi. J'essaie de fermer mon manteau en hésitant. Ah, je suis bloquée. Il faut qu'on aille louer nos chaussures, nos skis. J'y arrive pas. C'est pas possible. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petites tresses. Allez. Mais allez. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Wow. Étoile des neiges, pays. Bébé, attends-moi. Attends. Où je suis sur une piste bleue et Roman où il est. Voilà, il est. Ben on le voit même pas tellement il est loin. Un bon moment. Ok, donc aujourd'hui on est samedi et là je vais passer, bon il est déjà 13h quand même, j'ai dormi, oui. Et là je vais chez Jules et on va genre bruncher, on va se commander un petit brunch parce qu'on a vraiment la flemme de bouger et on va regarder des séries, faire une petite après-midi cocooning. Coucou, ça va? Et toi? Oui. Les gars, je suis avec Frédérico qui m'a emmené sur un toit pour faire des photos sur les toits de Paris. Je suis tétanisée, je peux pas bouger. Ne reproduisez pas ça tout seul, c'est trop dangereux. En fait, j'ai peur que de passer à travers le toit. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon. On a été avec Chloé, donc non, on n'est pas en embrouille, t'as vu? On était voir le spectacle de Lola Dubini et c'était. On a pleuré de rire. Si vous êtes à Paris et que vous passez vers le sentier des Halles qui est aux 50 rues d'Algriver. Non, c'était génial et elle chante, mais surtout elle fait plein de blagues trop drôles. On a bien ri. On a bien ri, on a vraiment bien ri. À destination d'Amsterdam Central avec arrêt à Bruxelles, envers Central. Les gars, on vient d'arriver à Amsterdam. Désolée pour mes chevaux, mais je suis trop contente. J'y suis allée une fois, mais quand j'étais toute petite, vraiment j'étais comme ça, vraiment comme ça quoi. Avec ma famille, et du coup, je m'en souviens pas très bien. Donc là, on a eu de la chance parce qu'en fait, sur booking.com, on est tombé sur une réservation où il y avait un prix de ouf. Genre, c'est un hôtel trop cool et la chambre, elle était pas très chère. On reste deux nuits et du coup, ça va être assez intense. Et là, on vient d'arriver. Laissez-moi vous faire visiter notre chambre. Alors, quand on arrive, il y a les toilettes, petit miroir, petite toilette, douche. Ensuite, un énorme lit. Les gars, ce lit fait la taille de mon salon. Lit, bureau, tout. Et là, en fait, on est juste en face de la gare, donc c'est trop trop pratique. Et voilà, I'm so happy.
Bon, on avait trop froid, du coup on s'est posé un petit bar pour manger, évidemment. En fait, c'est parce qu'on n'avait pas mangé dans le train. Enfin, peut-être qu'on avait mangé dans le train, mais qu'on avait quand même faim. Une petite bière, et puis après, on va aller visiter la maison d'Anne Frank. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir. Devinez quoi, on mange encore. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout bu le... Bonsoir Amsterdam, yeah. Écharpe, manteau, deuxième manteau en dessous, gants dans le sac. Le froid ne nous aura pas! Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de bière. Ok les gars, donc actuellement on est à la piscine de l'hôtel. Salut les gars. Bon du coup donc là je suis de retour à Lyon, je vais vous expliquer après, là j'ai un peu la flemme parce qu'en gros je sors du sport. Bon en gros je suis de retour à Lyon tout simplement parce que j'ai repris les cours. Donc voilà, là je suis à Lyon jusqu'à juin, après je suis en vacances. Et en gros dès septembre, début septembre, fin août, je me réinstalle à Paris définitivement. Enfin définitivement pour finir mes études en tout cas. Voilà. Et non, mon appart ce n'est pas à vendre ou à louer. Donc là on est lundi matin, je viens de faire une petite heure de sport, il est déjà 11h30 hein, donc franchement je me suis pas levée tôt tôt. Et puis j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui, du coup je vlog parce que c'est un weekly vlog et c'est le concept. Avant tout je vais me toucher. A few moments later. Qu'est-ce que je sens bon maintenant. Bon les gars, la semaine dernière sur Insta Story, je vous avais parlé de la marque Oceans Apart et du coup j'avais un code promo de moins 50% qui durait seulement 24 heures. Et en fait vous avez tellement kiffé qu'avec Oceans Apart on s'est dit qu'on allait en remettre un en place. Donc voilà, bonne nouvelle. Yes, yes, yes. Pour rappel, Oceans Apart, c'est une marque de vêtements de sport. Je sais pas vous, mais moi, quand je fais du sport, déjà que j'en fais pas non plus énormément, j'ai vraiment besoin de me sentir fraîche. Genre, c'est bête, hein, mais pour faire une bonne séance, j'ai besoin de me sentir bien dans ma peau, de me sentir belle, quoi. Genre, ressembler de loin à une mannequin Victoria's Secret avant de devenir la mannequin Victoria's Secret. Vous voyez le concept? Bon, comme ma nouvelle spécialité, c'est la danse, je vous ai fait une petite vidéo de présentation de mes trois pièces favorites de chez Oceans Apart. Et action! Bon là je vous ai montré un legging et une brassière noire et une seule brassière rose. Mais sachez que l'esprit de la marque il est assez californien, le design et tout. Du coup il y a beaucoup plus de couleurs sur le site. Et surtout, surtout, les leggings ils ont des ceintures gainantes, donc ça met vachement en avant et en valeur les formes du corps. Mais ça aplatit le bidou, tu connais le bidou que même quand tu rentres le ventre, lui il rentre pas. Du coup ça vient genre le gainer et l'aplatir un peu et c'est trop bien, genre moi c'est comme une seconde peau. Et moi quand je fais du sport comme ça je me sens fraîche. Et voilà, et petit plus pour celles qui courent, je sais que moi avant je courais, fut un temps. Et j'aimais pas trop avoir sur le bras le truc pour ranger le téléphone. Et là en fait dans les leggings il y a une poche intégrée derrière où tu peux ranger ton téléphone, donc c'est trop pratique. Bref, assez parlé, en tout cas avec mon nouveau code promo qui est STILTO, vous avez moins 40% sur tout le site, même sur les ensembles et sur les e-books. Je précise, je suis rémunérée pour parler de cette marque, mais je suis très contente parce que c'est moi qui les ai contactés. Et en plus c'est une marque coup de cœur, genre vraiment je kiffe. Bah là par exemple j'ai ma petite brassière. Donc voilà, là il est 13h30, je viens de finir de manger avec ma maman. Et j'ai j'ai plein de trucs à faire, je suis stressée. D'ailleurs je me ronge les ongles et ça c'est mauvais signe. J'ai travaillé un peu sur l'ordinateur, j'ai plein de trucs à faire, que ce soit pour YouTube ou que ce soit par exemple mon rapport de stage. Yes, yes, yes.
One eternity later. Les gars, je suis trop contente, je viens de recevoir un truc que j'ai commandé sur Amazon. C'est un micro pas pour chanter, pour faire la voix off de mon Draw My Life. J'ai collaboré avec la dessinatrice Mayada et j'ai reçu tous les dessins du Draw My Life, donc je suis en train de faire le montage et il me reste plus qu'à faire la voix off. Et je suis trop contente parce que cette vidéo elle est très simple mais elle me tient trop à cœur et j'ai trop hâte que vous la voyez, franchement, je suis trop contente. Tu ne t'y attendais pas, le petit youtubeur qui faisait des vidéos sympas, vous les filles. J'ai quand même fait 700K, j'ai quand même charbonné dans mon cerveau plus de 700 fois. À la prod c'est toujours moi, donner des leçons c'est toujours moi. De mignon c'est toujours ça, la pression est toujours là. Mes questions sont toujours là, encore des doutes est toujours là. Je suis toujours insomniaque, j'ai l'après-midi, c'est déjà ça. J'ai les magasins, on va vous montrer après, on va vous faire un haul. Ah, bonjour monsieur. Ok, donc je suis chez Anna, je vais vous montrer mes achats. Anna veut pas se montrer parce qu'en fait elle est super malade, elle est en train de vomir dans les toilettes. T'es super chaud. J'ai froid. Anna, vu qu'elle fait pas assez de vidéos YouTube, et ben en fait elle peut pas payer son chauffage. Du coup il fait super froid. Ok guys, donc let me show you. Je suis passée chez Sandro et j'ai trouvé en solde, je sais pas si vous allez aimer, ces chaussures. Regardez ce que j'ai trouvé chez Zara. C'est vraiment pour mes pieds frites, parce qu'en fait, pour ceux qui sont pas au courant, j'ai les doigts de pied en forme de frites. Et du coup, bah, dès que je vois des frites ou que quelqu'un voit des frites, on me rappelle ça. Et du coup, ils vont être trop contents. Cette robe qui est longue. Et en gros, elle ressemble un peu à un chiffon, mais ça va être beau avec une petite ceinture pour accessoriser. Et des petites bottines noires un peu bohème rock. J'adore. Une tenue trop belle de Zara aussi. Je veux que aller en soirée pour la mettre. Sauf que je n'ai pas de soirée. Je vais offrir à Anna son cadeau de crémaillère, parce que j'étais pas là à sa crémaillère, du coup je lui ai acheté un cadeau d'appart, pour son appart. Il y a des obstacles dans l'appart d'Anna. Non. Tiens. Merci. Qu'est-ce que c'est? Elle était avec moi quand elle l'a choisi. Waouh. Merci. Vous savez les peignoirs comme dans les chambres d'hôtel, vu qu'on est un peu des beaufs, nous on adore. Les gros peignoirs comme les chambres d'hôtel. C'est comme à la chambre d'hôtel, Jeff. Tout pareil. Regardez ce loft qu'elle a. C'est tellement stylé. C'est vraiment trop stylé. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux...